Merde, j'ai appuyé pourtant mais trop tard. En fait il retombe vachement vachement vite le projectile. Hey, qui a démoli mon mur? C'est moi. Là il parle fort. Et par ici, laisse-moi te regarder de plus près. Une bonne vue, une bonne oreille, hein, parce qu'il y a quand même vachement beaucoup de projectiles entre nous deux. Et salut! C'est quoi par là? Non, je peux pas. Ah bah en fait je peux lui parler d'ici, ok super. Ah bonjour, je vois que tu es arrivé jusqu'au clair, à l'esprit. Tes voyages ne t'auraient pas déjà mené à la source, par hasard? J'ai entendu des rumeurs concernant une vieille bibliothèque là-bas. J'ai bien envie d'aller y faire un tour. On s'y croisera peut-être? Tu améliores tes compétences. Voyage rapide, sélectionne un des puits. Ah! Une compétence, ça, bah je la prends. Hein. Mince! On dit que seuls les plus observateurs peuvent y accéder, bonne chance. Ok. Accéder à quoi, je sais pas. Trouver des connaissances. Ben ça justement c'est un endroit où je pouvais pas aller et maintenant je peux y aller donc on ira après. Y'a quoi en bas? De l'eau. Très bien. Dis-moi ce papier que tu as, qu'est-ce que c'est, Skork? C'est très net, c'est pointillé ce gros X, c'est une carte de trésor. Car je te l'échange contre mon sac d'aventurier, quelque chose me dit que je vais avoir besoin d'un plus gros sac. Pour un aventurier en herbe qui pourrait avoir besoin de ce sac, ok. Bah tu voulais me parler toi non? Jackie? Bon, je sais pas ce qu'il voulait du coup. C'était pas écrit X, en fait je crois le HUD était cassé. Je suis venu de loin pour trouver ces clairières, c'est un vrai paradis pour les mobis. Ma famille va se plaire ici, mais nous n'avons pas de maison. Grom le Gorlek est un bon bâtisseur, il pourra peut-être nous aider. Ah, et donc là j'aurai les minerais pour enfin être utile. Du coup peut-être que maintenant je peux lui parler. Okay. Le HUD est cassé. Je n'osais pas croire les rumeurs, mais tu es bien là. Niwen a de nouveau un esprit. Le mur ne t'a pas résisté longtemps. Mes talents de bâtisseur ne sont plus ce qu'ils étaient. Quoi qu'il en soit, j'ai promis de créer un refuge contre le déclin ici. Ces clairières comptent sur moi, esprit. Mais sans minerais, je crains de décevoir tout le monde. Les matériaux dont j'ai besoin ont été laissés à l'abandon quand les miens se sont réfugiés dans les mines. Sans matériel, mon rêve de créer un refuge risque de prendre fin, avant même d'avoir commencé. Voilà, tiens. 4, alors, 1, réparation du puits aux esprits. On dit qu'avant, les esprits pouvaient se téléporter, blablabla, ok. Réparation de maison. Bah d'abord, ça va m'être plus utile, donc... Dommage, parce que je pouvais faire les maisons, mais... Il reste peu de vrais Gorlek, alors fais attention si tu croises quelqu'un qui me ressemble. Nous n'avons pas tous échappé à la corruption. Attends. Avant que notre domaine ne soit enseveli sous le sable, les esprits avaient remarqué le potentiel du minerai Gorlek. Ils ont disparu avant de pouvoir essayer ce que nous leur avions construit. Et maintenant que tu es là, c'est différent. Bon, j'ai pas assez de minerai. Ah, c'est chiant. Le HUD est cassé. J'ai envie de quitter et de revenir. Parce que... Bon, si je passe à côté de trucs avec lesquels il faut interagir. Voilà, maintenant c'est écrit en haut.
On parle de plus en plus de toi, mais j'ai entendu beaucoup de noms au cours de mes voyages, tu sais. Les noms achètent mes fragments brillants et s'en vont. Ils se ressemblent tous, ça oui. Et mes fragments brillent encore plus fort quand tu es là. Peut-être que ton nom mérite qu'on s'en souvienne. En vrai, pour ça, il faudrait que tu fasses quelque chose de marquant. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça, je l'utilise pas. Ça peut être sympa. Améliorer l'aimant, améliorer la résistance. Ouais, la résistance, c'est bien. Hein. Je vais attendre d'avoir plus. Se trouve à la source, c'est un sanctuaire dédié à... Ah, il me donne un endroit de sanctuaire. Qui est sur la route. Oh, salut! J'ai fait la route jusqu'ici depuis le marais parce qu'on m'a dit que les clairières étaient magnifiques. C'est vrai qu'elles sont très belles, mais la lumière est tellement vive, ça change des marais. C'est pour ça que je me cache à l'ombre. Si j'avais un chapeau comme celui-là, là-bas... Mais ce n'est pas le cas. Là, ça... Ouais. J'allais dire j'aimerais bien pouvoir le casser, mais en fait je peux le casser. Aïe, de la braise. Ah bah je peux aller leur construire des maisons. Ah mais du coup, je comprends pas. Merde. Du coup je peux casser les trucs au sol, mais personne ne m'a jamais dit que je pouvais faire ça. Allez, hop. On peut faire des maisons. Excellent, je m'y mets tout de suite. Les habitations des Moki sont terminées. Et vu qu'elles ont été construites par un Gorlek, elles n'auront pas besoin d'être réparées avant longtemps. Bah ça va, le mec il se prend pas pour de la merde. Grom a construit une belle hutte, elle fera un foyer parfait. Si tu pars vers l'est, peux-tu dire à ma famille que j'ai trouvé une nouvelle maison? Ils vivent dans le bois du silence, dans la première hutte à l'entrée. Je te récompenserai. Ah, et tu auras sans doute besoin de cette clé. Le bois n'est pas sûr plus maintenant. Cool. Bois du silence. Ouh. Ah, c'est ça. Ok. On ira un jour. Hein. Hop là. Le petit coup de marteau qui permet de tricher. Et de gagner quelques centimètres dans les airs. C'est ça que je voulais faire. Mais... Il casse les couilles. Voilà. Ah, je pensais qu'on pouvait se poser sur la petite planche. Ouf. Failli tomber, moi. Qu'est-ce que c'est ces trucs là-haut? Ok, chiant. Où je vais, mais j'y vais. Un minerai. Ça fait plaisir.
Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ouais, bah du coup, peut-être qu'en bas, c'était plus intéressant pour l'instant. Aïe. Aïe. Ouais, je suis mort. Est-ce qu'il y a moyen? Ah, il y a peut-être moyen avec lui. Ouais. Non. Non, non, c'est une connerie. Aïe. J'essaye de sortir, s'il vous plaît. Non. Non, ah, j'arrive pas. Allez, je suis sûr qu'il y a moyen. Non, dommage. Bon, allez, j'arrête. C'est clairement pas prévu pour l'instant. Mais je suis sûr qu'en speedrun, ils le font, ça. Si la route est utile, ils le font 100%. Ça me paraît grave faisable. Putain. Bonjour. Et bon, il a pas l'air très intéressé pour l'instant. Ah, bonjour. Oh, salut, tu vas à l'endroit où il fait froid? Je m'y rends pour cueillir des baies de sommet. Enfin, je voulais m'y rendre, mais il y a un gros ours sur la route, il est endormi. J'ai essayé de le réveiller en lui chatouillant le nez avec des touffes d'herbe, mais ça n'a pas marché. Peut-être que l'herbe n'est pas assez grosse, ou que c'est moi. Moi, je peux lui chatouiller le nez avec un marteau, mais bon, pas sûr qu'il kiffe, quoi. Je peux pas le taper. C'est honteux. La source, c'est vers le haut. Du coup, j'ai envie d'aller de ce côté-là, moi. Ah bah, il y a le moulin. Là, il y a des rumeurs. Un sanctuaire. Allez, sors de ton trou, toi. Ah, je peux pas y aller. Hein. Je suis pas capable. Ah, on voit derrière la roue. Nous connaissons cet endroit. L'eau des bassins de l'Huma coule en ces lieux, insufflant la vie de Omaré. Du moins, elle coulait avant le déclin, avant que le moulin ne s'arrête. Et bien ? Beaucoup de pics, hein. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah, ça marche pas, ça. Faut que j'aille en haut. Allons vers le bas. Hein. Salaud. Ok, alors. Hop, là je me laisse tomber. Hop, là je prends ça. Tac, 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 tac. Hop, lui, boum, dans les pics, il meurt. Ça, je me laisse tomber ici. Hop. Pourquoi je trouve la bonne route directe alors que j'essaye de faire tout l'inverse? Ok, alors là, ça reste peut-être un peu moins rigolo. À l'aide. Comment je fais?
C'était tendu, mais je l'ai fait. Rentrer. Non, je veux pas rentrer tout de suite. Laissez-moi tranquille. Ah, on peut rentrer. On peut rentrer. Ah ah! Il est insupportable cet ennemi. Un. Et voilà. Aïe. Ah, ça se casse ça. Eh oui. Ah, un truc là-haut. Hop. Très bien. Et quoi ? Ok. Nickel Michel. Moisson vitale. Dis-le pour que les ennemis génèrent davantage d'orbes de vie. C'est intéressant. Ah. Oui, c'est un fragment ça. Je sais pas ce que ça vaut ça. Et du coup là-haut. Il y a juste un méchant. Ok, ok. Nous allons donc rentrer. Malgré la distance. Ah, il vient pas? Ah, si. Rien ne pouvait séparer cette famille. À la gueule de la famille. On a une carte à l'intérieur? Oui. Ok, faut passer par là. Ok, là c'est caca. Ah, j'ai aucune idée de comment monter. Comme là, j'ai aucune idée de comment monter non plus. Ah, peut-être avec la vitesse. J'aurais propulsé plus haut. Ça, c'est trop bien. Ok. Je peux pas y aller. Oula. Les trucs bleus là-haut, 100%, c'est des trucs qui vont me permettre de faire tomber une liane ou un truc dans le genre. J'ai eu peur, mais je n'ai jamais douté. Épine. Épine, là. 25% des coups. Renvoie 25% des dégâts de corps à corps. C'est un charme qui me rappelle un jeu.
Pas un charme, un truc là. Un fragment, ouais. Wow. Ah, ça marchera mieux. Et mains, oui. Non. Été mis en garde, mais quand même. Oh, je lui ai laté les genoux. Il pouvait rien me faire, il était trop haut. Ah, le noob. Ah, il doit y avoir un truc à activer. Alors, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite? Sans mettre ici. Ah non. C'est bien, les passages secrets se voient assez bien. Ah si, c'est bon. Oh, malheureusement, on va monter plus haut. Donc là, j'ai accès en bas, j'ai accès à droite, j'ai accès à la gauche. Quel enfer! Le but c'est de monter, donc on va aller à droite dans un premier temps. En plus, il y avait un ennemi. Ah, j'ai peut-être un problème. Ah non. On descend. On descend. Ok, un minerai. Très bien. Ensuite, on a retiré l'eau. Putain, je pouvais passer là. Non ? Non. Ah non, moi c'était là, là que j'étais. Voilà. Aïe ! Non ! Je veux pas mourir. Dégage. Ok, il y a une ruche en fait. Merde. Ah merde. C'est pas ça que je veux faire. Ça que je veux faire. Mais non, mais je veux toucher au-dessus, bordel de merde. Donnez-moi ce truc de vie déjà.
truc se casse la gueule chez moi. Ah non, c'est mon store qui fait du bruit à cause du vent. Salope de vent. Et ça dégage. Ça aussi ça dégage. Aïe. Gugu. C'est bon. Parfait. C'est bon. Là j'ai tout exploré, je peux désormais aller par là. J'accepte ce chemin. Je sais plus comment on monte, sûrement par là. Ah oui. Bon, on refait un petit tour parce qu'on a kiffé. Oui, je me souviens. C'était là. Puis, c'était là. C'est timbré, aller aussi vite. Alors là, je l'ai one-shot plus parce que j'ai retiré le charme qui permet... Enfin, le... Pardon, le fragment qui permettait de... De les one-shot. Là, je pourrais pas monter parce qu'il me faut le truc bleu, à moins que... Peut-être moyen. Sur une belle courbe. Salut! Bienvenue au moulin, c'est ici le premier machin. Il va me donner une carte pour ici de toute façon. Pas que ici. Ok. Et un peu plus. Ah oui, mais ça c'est le bout de map qui est à l'intérieur. Et non, je. Oui. Bon, finalement, oui, c'est que le moulin, mais aussi la zone extérieure du moulin. C'est sympa. Ah, mais... Quel enfer. Mais je suis trop lourd avec mon marteau. Faut que j'attende qu'il se casse la gueule pour de bon. Je me suis bump sans le vouloir. Y'a rien là-haut. Ok, c'est bon. Est-ce que je peux activer les trucs bleus? Maintenant. Grappin, oui! Oui, je peux. Ça c'est good. Oh. Ok, c'est good, ok. Ah et donc ça, ça sert aussi pour les grappins. I didn't know. Du coup, faut que je reparte en arrière pour aller chercher un des fragments que je loupais. Ah. Là je peux casser ça. Ouais, des trucs je peux les casser et pas d'autres. Je comprends pas. Ça c'est ce que j'aurais du coup dû faire pour avoir accès à la carte, mais je l'avais déjà. C'est là. Énergie qui augmente. Il y a là et là où j'ai pas été.
suis allé là. Moi, j'étais dans la flotte là. Ah non, ok, c'est que je me tiens au bout de bois. Je peux pas. Pas faire ce que je voulais. Et là, du coup, je sais pas. J'ai loupé un truc, je pense. Je sais pas, tant pis. Yo. Cette source n'est pas faite pour les voyageurs comme moi. Ces roues me chamboulent complètement. Je ne serais pas ici si je n'avais pas perdu ma boussole la dernière fois que je suis venu. Pourrais-tu m'aider à la retrouver? Il me semble que je l'ai fait tomber derrière cette porte là-bas. Comment indiquer où est-ce qu'il faut aller au joueur? C'est malin. C'est bien normal ça? Ah non, non. Non! Gourée de touche. Désolé à la personne qui va se prendre une flèche. Malaise. Ah. On peut choisir le sens où on se projette. Non! Aïe! Ok. Ouh. Non. Non. Oui. Tac, 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 tac. Bam! Parce que ça nous fait kiffer. Ah, c'est pas un... un prof... Non, il se l'est pas pris. Dégoûté. Allez, hop. C'est good. Non, il y a des pics. Ah, bah c'est l'endroit où j'étais. Super. Bonjour. Alors, attends, avant je me soigne. Voilà. Bonjour. Oui, l'exploration, c'est plus dur que je le croyais, surtout sans sac pour porter. Ah, bah j'ai un sac. Oh, c'est un gros sac que tu as là. Je peux l'avoir? Oh, merci. Là, je te donne mon sac d'herbes en échange. Il est vieux, mais les herbes qu'il contient sont fraîches, très fraîches. Bon, bah, on verra qui en a besoin. Ok, ça casse pas le truc. Hop. Hop, hop. Et hop. Oula, ça tournera plus tard. Ça tournera peut-être même maintenant, je sais pas. Thank you.
Et quelle heure? Ok, bientôt l'heure d'arrêter le stream malheureusement. Donc j'espère que je pourrai finir à un endroit bien. Ce vieux moulin est un vrai labyrinthe, mais ce n'est pas le moment de traîner, la route est encore longue. J'ai des connaissances à découvrir, et toi tu as un moulin à décoincer. Et une amie à trouver, si j'ai bien compris. Bonne chance, il n'y a plus une minute à perdre. Putain, les nouvelles vont vite ainsi. Ah putain, je pensais que ça allait continuer à tourner. Ça s'arrête jamais. C'est ça que vous êtes en train de me dire, ça ne s'arrête jamais. Cet endroit vide comme ça. Putain, c'est pas la bonne touche. Aïe. Non. Lâchez-moi. C'est bon. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est le début des emmerdes. Ravé. J'ai le chic pour à chaque fois sauter au mauvais moment. Je déclenche maintenant, peut-être, oui, je sais pas. Pense, hein. En tout cas, je trouve que j'avance assez vite quand même. Bon, il y a qu'un moment où j'ai galéré comme un connard. Mais bon, arrive. Oh, de la vie. Là-haut. Ouh. Oui, non, peut-être. Ça se désactive jamais, c'est ça. Ça tourne, ça tourne. Et voilà. Bon, je prends des passages secrets. Hein. Bon, j'ai juste esquivé un laser qui suffisait juste de dasher pour éviter, mais bon, c'est pas grave. Aïe. Ah, ça one shot pas, ok, c'est cool. Cool. C'est que ça one-shotait. Tout va bien. Tout va bien. Il y a de la vie. Désolé. J'en ai besoin. Dégage. Oh. Ah. C'est bon. En fait, je pensais vraiment le faire tomber, en fait pas du tout.
Malheureusement, il reste encore une salle. Après, celle là, ça dépend de la taille de ce truc, en fait. Là, ça a été assez vite. Il me reste très exactement 4 minutes. Si je veux vraiment une durée de stream parfaite. Même si en vrai, non, ça serait pas si parfait que ça. Non, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. On va pouvoir s'arrêter là. Et on continuera ça demain. Jeu très cool, très beau, très musicalement super, gameplay fluide, sympa et tout. C'est Ori 1, mais en amélioré, on va dire. Parce qu'on a les mêmes compétences, mais il y en aura d'autres. Hein. Notamment, il y aura des trucs sûrement par rapport au sable, je suppose. Et l'air de rien, même si je me suis perdu une fois, je pense que c'est un peu moins fouillis que le premier. Le premier, il y avait vraiment beaucoup de destinations possibles dès le début, là c'est un peu plus restreint. Mais ouais, on a déjà fait pas mal de choses, hein, l'air de rien. Alors après, je sais pas, je sais pas quelle taille fait la map, mais on a déjà fait tout ça ici, tout ce truc là, tout ça, tout ça. Là, on a fait tout ça. Bref, pas mal de choses. Donc on verra ça demain. Sur ce, des bisous. Et à demain du coup. Tchou tchou.